Mais même si c'est pas TikTok, la personne peut être accro à autre chose que ça te donne. Imagine, tu rencontres un homme dans la rue. Hein? Il n'est pas sur TikTok. Et un homme de TikTok, c'est quoi la différence entre les deux hommes? Ah voilà. Qui sont sur TikTok juste peut-être 30 minutes par jour, ils viennent, ils jettent juste un coup d'œil comme ça. Mais il y a des gens qui sont sur TikTok du matin au soir. Alors là, moi, je trouve qu'un homme qui est sur TikTok du matin au soir, à quel moment il fait sa vie? À quel moment il prend du temps pour lui, pour ses proches? À quel moment, je sais pas, je me dis, mais c'est un homme qui est perdu, celui-là, c'est qui est perdu. Parce qu'il faut du temps pour toi, du temps pour ta famille si tu en as, pour tes proches, pour ton boulot. Mais d'où tu vas passer toute la journée sur TikTok? Moi, ce genre d'homme-là, franchement, non. Je suis désolée. Ouais, non, TikTok doit être comme une distraction. Ou alors, pour ceux qui ont décidé d'en faire leur travail, qui ont décidé de faire de TikTok leur travail, leur boulot et tout, là, c'est un autre schéma. Si lui est là pour travailler, que c'est son travail du matin au soir, mais moi, honnêtement, j'aimerais que moi, tu aies un boulot et que TikTok soit juste un truc où tu vas de temps en temps pour te changer les idées et tout. Et après, tu passes à autre chose. Pas que tu vas dormir sur TikTok. Donc, ça veut dire que, en d'autres termes, si je dois résumer ta réponse, ça veut dire que sur TikTok, tu peux trouver l'amour, mais à condition que ça ne soit pas un homme accro à les lives. Mais ça veut dire que tu peux quand même trouver sur TikTok. Pardon, ça peut être quoi? 3%. Ok. 3%, ok. 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 J'ai compris. Du Kamel, tu es d'accord avec du Kamel? Non, mais je suis plutôt. Je suis ébahi. Parce que tu lui poses des bonnes questions et ses réponses me choquent. Ses réponses me choquent. Ses réponses. On ne t'écoute pas bien, Lex. Ses réponses me tétanisent un peu. Et ça me fait du bien que tu lui poses ces questions. Parce que ça me fait du bien que tu lui poses ces questions et je vois ses réactions. Tu vois. Tu vois que je suis très silencieux. Parce que c'est à elle de prendre l'avant et dire écoute, en gros, voilà, je suis en train de connaître quelqu'un. Elle ne mentionne pas ça, en fait. Déjà, tu lui poses la question de savoir est-ce que Ducamé est ton style? Silence radio, ça veut tout dire. Maintenant, tu lui dis, tu poses, quand tu rentres maintenant, tu lui demandes que, est-ce que tu peux connaître quelqu'un sur TikTok? Pourtant, elle est en train de poser. Non, pudique, pudique par rapport à la question, parce qu'après, elle s'exprime très bien sur d'autres questions, tu vois. Maintenant, quand tu lui as demandé, est-ce que tu peux sortir avec quelqu'un sur TikTok? Puis, elle est justement en train de discuter avec quelqu'un qui est sur TikTok, accro, je dirais pas, je suis pas accro, je travaille. Chérie, je te comprends pas. Hein? Bien sûr. Justement, mais là, tu as une vie à côté, tu as un travail, tu as tes responsabilités avec tes enfants et tout. Et TikTok, tu viens de temps en temps. T'es pas comme si tu dormais sur TikTok. Mais si tu dors sur TikTok, là, c'est compliqué. Mais quelqu'un mais qui a une vie à côté et qui vient TikTok pour se distraire. Chérie, tu sais, les questions que RN te pose, il te pose des questions que tu peux en lien avec moi. Puisque. Le truc, c'est toi et moi, on parle de nous deux. Voilà, donc maintenant, c'est-à-dire c'est par rapport au fait qu'on soit en train de parler, toi et moi, de nous deux, en fait. Et je lui fais intervenir. Parce que normalement, les gens m'ont dit qu'il fallait pas faire intervenir une troisième personne, qu'il fallait qu'on discute que nous deux. Mais comme c'est quelqu'un que je connais, et il te pose des questions, bon, après, on peut pas aussi juger par rapport à tes réponses. Après, voilà. Là, on peut comprendre ta timidité. Et vous va aussi attendre les statistiques. Lui, il a pris les statistiques pour nous. Bon, maintenant, RN, ton étape des questions est terminée. Elle et moi, on va parler. Non, mais il y avait une dernière question. Et je pense que ça, tu dois aimer la question. Vas-y. On va commencer d'abord. Avant que je donne la question, je vais d'abord savoir, Lexia, tu as des enfants? Je pense que ma question, en tout cas, qu'est-ce que tu penses des hommes célibataires avec enfants? Je pense que des hommes, si les femmes ont des enfants, il n'y a rien.
n'y a rien à dire de particulier. Ok. Tu aimerais bien qu'ils vivent où ils vivent avec les enfants ou pas? Si ça te plaît, ça t'arrange s'ils vivent avec ses enfants ou pas? Hein? Ça t'arrange si le père il vit avec les enfants, un homme célibataire vit avec ses enfants. Mais s'il ne vit pas avec les enfants, ça ne t'arrange pas. Ça va me déranger parce que j'aimerais qu'il passe du temps avec ses enfants et que les enfants aussi s'habituent un peu à sa nouvelle copine ou à leur nouvelle belle-mère. Non, je n'ai pas dit. Je dis qu'il est encore célibataire. Est-ce que tu aimerais rencontrer un homme célibataire qui vit avec ses enfants? Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien. Ça dépend. Ça dépend maintenant s'il travaille. S'il travaille, ça va être compliqué. C'est là où il y aura un problème. Si voilà la question que je vais te poser. Est-ce que forcément... Tu as trois questions. Tu as trois questions, là. Est-ce que c'est forcé qu'un homme célibataire doit vivre avec ses enfants pour prendre soin des enfants? Est-ce que même avec quand les enfants vivent avec les mamans, est-ce qu'il ne peut pas faire prendre soin de ses enfants étant à distance? Ou on connaît bien l'Europe, comment ça se passe, garde partagée, week-end chez les mamans, on sait bien. Est-ce que ce jeu-là, toi aussi, ça ne t'arrange pas? Pour toi, c'est obligé, il doit vivre avec le papa. Si le papa peut vivre avec eux, c'est super, c'est top. Mais si c'est compliqué avec le système, tout ça, machin, tout et qu'il peut gérer à distance, on ne peut pas lui en vouloir si c'est que les conditions ont fait qu'il ne peut, peut pas les avoir. Mais c'est toujours bien de vivre avec ses enfants. Non, tu sais, moi, je ne veux pas que tes réponses soient dans le cadre général. Mais tes réponses doivent être concentrées sur ta personne parce que c'est sur ta personne que je veux savoir. C'est justement ça que je chante. Mais RN, attends. Oui. Attends. RN. Tu dénatures un peu ce qu'on a fait. Ouais. Tu vois? Parce que elle et moi, on est en mode. Non, de... Attends, je vais te dire. On est en mode, en fait, de fait connaissance dès le départ, tu vois? Et là, les questions sortent un peu du contexte d'elle et moi, en fait. C'est pas ça, Lexia? Ouais, quand même. Tu comprends ou pas? Hein? On s'est écarté un peu du but. Ouais, du but et tout, ouais, hein? Parce que moi. Ouais. Et on va. Elle a dit quelque chose de pertinent quand même, du camion. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quelque chose de très pertinent, hein. Ouais. Donc, elle dit qu'elle préfère un homme célibataire qui vit avec ses enfants. Bon. Je vais, puisqu'on va être dans la conclusion de cet échange, je vais poursuivre avec elle en tête à tête. D'accord, Lexia, on va poursuivre toi et moi. On va se parler plus franchement. Tu es d'accord? Mais pourquoi ton volume il est bas comme ça? Je sais pas, elle a dû faire quelque chose là. Mais ton volume il est bas. Je crois qu'elle a reçu un appel ou un truc comme ça et ça... Je disais qu'on allait poursuivre l'échange, toi et moi. Tu veux bien? Je veux te renouveler... je veux te renouveler tout ce que j'ai dit au départ. RN, tu m'as sorti direct ici. Chérie, on fait quoi? RN, on le mute ou pas, lui, là? Parce qu'il va, il va essayer de nous... Hein? Pourquoi je t'entends pas? Je suis obligé de mettre encore les écouteurs. Va sur WhatsApp. Sors, tu vas sur WhatsApp, tu reviens. Ne sors pas du live, va juste sur WhatsApp, tu reviens. Le volume va revenir. Du calme, tu es un malade. Calme-toi. Ouais. Attends, est-ce que le volume est revenu ou pas? Allô? Là, alors, c'est grave maintenant. Ouais, là, quand t'es tout proche, ça va. Voilà, là, c'est bon. Là, t'es proche. Et quand tu refais la demande? Là, je suis proche. Ouais, j'étais en train de dire que... RN, laisse-nous parler. Laisse le couple, là. Avec tes questions pour gâter le couple, là. Calme-toi. J'étais en train de dire à ma chérie que... Que je voulais lui renouveler... Ce que j'ai dit au départ, tu vois, c'est une fille qui m'intéresse, c'est une fille bien.
C'est une bosseuse, c'est une boss lady, et que voilà, elle remplit toujours toutes les conditions qu'il faut pour être la celle avec qui je pourrais passer voilà pas mal de temps jusqu'à ce qu'on décide si on le souhaite d'aller à Las Vegas se marier. Je te kiffe trop en fait. Mais là, on est en train de démarrer une histoire et on l'a fait publiquement. On démarre. On va pas rentrer dans les mimas devant. Si on a les mimas, il y a des choses qui nous regardent, toi et moi, inbox. On va pas t'étaler ça ici, tu comprends? On est pudique. Quand ça nous arrange, on est pudique. Quand ça nous arrange, on n'est pas pudique. Quand ça nous arrange, tu comprends un peu? Donc là, toi, Lexia et Sommet, Madame et Sommet, écoutez. Écoutez, Madame. Madame et Sommet. On est en train de démarrer un truc. Il y a eu des couacs, il y a eu des négligences, il y a eu pas mal de trucs. Mais là, on démarre quelque chose de beau. On le fait publiquement. Il y a le sorcier RN qui est là. Tu vois? Voilà. Tu comprends un peu ou pas? Je ne vais pas oser croire que RN t'a déstabilisé hein, parce que tu parles peu maintenant. T'as pas bonne mine, chérie. Tu es Vibassa, hein? Elle ne va pas parler, t'es déstabilisé. Ça, c'est impossible. Hein. Une fille de Déa. Hein. Ma femme est de Déa. Il faut arrêter. Hein. Hein? Si on t'entend. RN, tu l'entends ou pas? Moi-même, je n'entends pas bien. Je te jure. RN, tu vois comment ma femme est belle. Tu vois les arguments. Laisse Black Jack. Il vient m'apprécier ici pendant les lives sur Facebook. Il me salit. Dama, je l'ai trouvé. Si tu entends ce qu'il a dit sur moi. Pardon. Chérie, tu disais, on disait quoi à mon cœur? Qu'est-ce qu'on disait? Ma charmante rose. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Non, RN, descend. RN, descend sur manga. Descend sur manga, RN. Parce que là, descend. Chérie, fais comment avec lui, là, pour l'instant? Notre... Je laisse, hein? D'accord, vas-y. Ok. Parce que les gars, si la relation, c'est que toi et moi, avec des malins, les gars, s'ils sont capables de... Les gars, s'ils sont capables de mettre les tunes dans ta tête ici, là... Même Ahmed Kamel est là, il regarde. Il est en train de regarder. Alors, tu disais quoi? En même temps, c'est la famille, hein, tu... C'est la famille. C'est la famille, hein, tu veux... les sommets. C'est clair. Avant, il sortait. Ah, maman, il y a les détracteurs qui veulent monter dans le live ici. Il y a deux détracteurs qui veulent monter dans la live ici. Mais, chérie, on continue notre conversation, je t'écoute. Je sais où je veux aller. Tu vois, donc honnêtement, pourquoi on vient de me remplir, me dire des bobards? Les bobards, c'est parce que j'ai envie de les accepter que je vais les croire, mais pas parce que, non, pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui en influence, je suis plus quelqu'un qui influence les gens. Dans la vie tous les jours, même avec mes copines, je suis plus celle qui est la locomotive, je suis plus celle qui dit on fait ça, on fait ça. Je suis jamais la queue, quoi. Je suis toujours quelqu'un comme ça et on me dit que je suis trop dominatrice, je commande trop, je suis toujours en train de. Je suis comme ça la vie tous les jours. C'est toujours moi qui envoie du lourd, quoi. Donc quelqu'un vient, non, c'est pas vrai, pas possible.
Il en faut plus. Hein. Il faut comme ça des RN, RN au moins 5 ans. RN. Merci chérie. Non, pas du tout, ça ne peut pas marcher. Merci. Merci. Non, laissez, parce que là. Là, elle est en train de me sous-estimer. Je dois continuer mon interrogatoire. Non, mais sachez que vous n'avez pas venu capoter une histoire d'amour en construction. Parce que, ce que j'ai pris encore un autre. Voilà encore l'autre qui est là, celui-là. Vous, moi, je suis dans mon histoire d'amour qui commence sur TikTok. Vous avez vos questions, vos questionnements, j'ai un bain. Chérie, on va écouter les questions ou pas? Chérie, je t'entends pas. C'est une histoire de la vie, mais c'est pas TikTok. C'est pas TikTok, le couple, là. Oui. Et puis chérie, c'est toi qui décides. À partir du moment où tu veux que... Chérie, si tu veux que j'arrête le live, j'arrête, on peut continuer IB. Hein. C'est toi qui décides. Tu es même modératrice ici. Tu bloques qui tu veux ici. Tu es modératrice. Tu n'es pas content de quelqu'un. C'est le live de ton mari. Ouais, Kat, on t'écoute. Hein. C'est une histoire d'amour qui débute. Ouais. Tu vois pas la manière que je monte à vous regarder là. Moi, il ne veut pas parler trop dedans. Pour la bonne année, pardon. Je suis monté pour la bonne année. Parce que quand même que je suis monté, tu as vu, elle a stoppé de parler. Elle, tu vois, elle m'a regardé en fait. Bon, je veux pas entrer dans ça en fait. Essaye-moi. Pourquoi tu es monté alors? Pourquoi tu es monté? Pourquoi tu es monté? Je suis monté pour la bonne année, nouvelle année. Ah, ok. Mais tu montes, tu veux. Non, tu n'es pas le 4 là, j'étais confondu. J'étais convaincu avec le 4. Il y a un 4 sorcier là, j'ai cru que c'était lui. Gars, mais tu montais, il y a la femme. Il y a la femme du boss, mon frère. Tu n'envoies même pas les cadeaux à la femme du boss, mon frère. Voilà. C'est ce qui me plaît, c'est que ce sont des gars. C'est la manière dont il m'a regardé, mon. Je me suis dit, peut-être, en fait, je ne veux pas un peu entrer dans les détails. Mais son regard, quand même, ça dit beaucoup de choses. Non, commencez pas, ce n'est pas le regard du Yamo. Il ne faut pas commencer à dire que c'est le regard du Yamo. C'est quel regard? Elle devait dire, en fait. Je quand même, Black Jack dit que tu as peur de quoi? Non, il va venir prendre, confisquer la parole, commencer à dire qu'il était milliardaire, commencer à dire qu'il a 4 maisons, il a 4 voitures. Il a ces trucs-là, que, quand il prend la parole, là, il ne laisse pas la parole. Moi, je prends les gens qui parlent très court. Mais gars, ce n'est pas. Tu es monté, c'est pour parler à Nangao pour me parler. Ce n'est pas le live célibataire. C'est pour te parler, c'est pour te souhaiter bonne. C'est pour souhaiter bonne année à tout le monde, non? Et comment tu vas la servir? Comment tu vas la destiner à qui? Elle demande si ça va, si l'année a bien commencé chez elle et tout. Après. Non, chez elle, là, il faut la laisser. Chérie, ne comment pas répondre les trucs de tout le monde ici. Tu n'es pas là pour que tout le monde te parle. Elle a qui de me regarder. Elle a qui de me regarder. Non, non, elle me regarde depuis. Ma femme, c'est pas un gars que. Bonne année. Ah, ok. Bonne année. Bon, nous allons continuer. Elle et moi, on va poursuivre notre conversation tranquillement. Vous regardez tout simplement sans nous couper. Et on va bientôt terminer ça parce que ma chérie travaille demain. Moi, chérie, tu travailles demain, non? Moi aussi, je travaille demain. J'ai juste tenté de dire que voilà, que je te renouvelais mes sentiments. Et que voilà, malgré... parce qu'une relation d'amour, c'est pas un fleuve tranquille, en tout cas. Tu vois? Une relation... C'est comme une maison qu'on construit ensemble. Il y a la fondation, il y a tout. Voilà, je veux être avec toi, je veux te connaître, je veux t'apporter le bonheur possible, la joie, tout ce qu'il faut. Tu comprends? Je suis peut-être pas ton style parce que tu as du mal à le dire. Hein? Tu as du mal à le dire comme ça, que tu es mon style. Mais je te dis, toi tu es mon style, je te dis, parce qu'on t'a posé la question, est-ce que je suis ton style? Tu as eu du mal à le dire, ça coûte rien. Tu vas pas... discuter avec quelqu'un, eBay, parler avec quelqu'un, et tu réfléchis, est-ce qu'il est ton style ou pas? Alors, justement, je suis donc réfléchi que pourquoi est-ce que cette fille me donne le numéro de téléphone, on discute depuis, et là, elle ne répond pas. C'est parce que déjà, on s'est déjà parlé, donc j'ai pas on se parle. De venir, Tout à l'heure, tu me disais, chérie, fais-moi une déclaration. Pareil que moi-même, je veux entendre que je suis ton style, parce que justement, si tu es sur le marché en ce moment, je vais pas te mentir que tu ne manqueras pas. Des hommes qui vont te courir après, tu es attractive. Tu es plus belle que la Tour Eiffel. Tu es plus belle que la dernière Jordan. Donc, tu ne peux pas manquer de personne. Mais seulement, pourquoi est-ce que moi, j'aurais la chance d'être l'homme qui va pouvoir t'embrasser
embrasser ces jolies lèvres. Pourquoi est-ce que moi, je peux avoir le privilège d'être l'homme à tes côtés? Même là, parce que là, sur TikTok, là, les gens te suivent. Il y a 1 million qui sont mieux que moi sur le plan financier. Il y a 1 million de personnes qui sont sûrement plus beaux que moi. J'ai jamais été mannequin, donc j'ai pas la prétention de dire, voilà, je suis là, comme ça, tu vois. Mais maintenant, si tu me dis, du Camer, je te choisis. Mais la question a tout son sens. Pourquoi est-ce que j'essaierai ton style? C'est ça, c'est important. La première chose qui m'intéresse chez un homme, c'est ses qualités et ses valeurs. C'est toujours sur ça que moi, je me suis toujours appuyée. C'est pour ça que je ne voulais pas, je vais pas forcément m'éterniser sur le sujet. Mais honnêtement, moi, c'est l'éducation de la personne. Ses valeurs, ses principes. Quelqu'un qui a une éducation, qui a la crainte de Dieu, qui a le respect en lui, qui sait également se comporter envers les autres. Après, tu vois un peu les trucs comme ça, les trucs un peu, on peut dire, c'est has-been, mais moi, c'est un truc qui compte énormément. Est-ce que tu penses, tu peux même être gros, là, si on parle de nous deux, là, puisqu'on parle de nous deux, on ne parle pas vaguement. Est-ce que tout ce que tu trouves là, est-ce que tu penses que je le suis? J'aimerais bien entendre ces paroles, parce que je te complimente devant tout le monde. J'ai dit, tu es belle. J'ai dit, tu es intelligente. Tu as des jolies lèvres. Tu as un beau visage. Tu as un tout. Moi, je le dis sans langue de bois. Et parce que je veux entamer cette relation avec toi. Après, on ira eBay. Après ça, on ira eBay. On ira discuter. Hein? On ira parler d'amour. Et plus intimement. Pourquoi j'aurais ce privilège, chérie? Parce que déjà, comme tu l'as dit, on a beau se connaître depuis un moment, mais on était un peu occupés chacun de son côté. On ne se calculait pas plus que ça. Mais dans tout ce qu'on a pu échanger depuis le temps, tu as quelqu'un qui a un truc. Peut-être tu ne sais pas, en dehors de ton bavardage que tu fais parfois sur les réseaux, là, tu bavades et tout. Tu as un truc en fait. Tu as un truc. Non, il faut se dire la vérité. Tu as un truc. C'est pas un truc qui est forcément, mais c'est un truc en fait que moi je peux ressentir chez les gens. C'est quoi ce truc? Tu as quelque chose, en fait tu as de la bonté en toi. Tu as de la bonté et tu as l'éducation. Même si parfois tu peux dire des gros mots que j'entends de partout, mais c'est un peu dans votre monde et tout. Parce qu'il faut dissocier entre la réalité et le virtuel. Donc je vais pas juste m'appuyer sur les histoires que je peux voir, non. Moi je m'appuie sur ce que moi j'ai pu voir. Tu vois un peu en dehors, et je sais et je le sens, t'as quelque chose. Tu sais, c'est parfois des choses que tu peux pas forcément mettre un nom dessus, ou tu peux pas forcément bien expliquer ce que c'est, mais parfois tu arrives, tu sens quelqu'un, bref, tu sens quelque chose. Il a un truc, forcément, tu as rencontré 1000 personnes, tu n'as pas senti ce petit truc-là. Tu vois, tu cherches avec quelqu'un, tu sens quelque chose. Chérie, pardon, tu es arrivé sur le truc là. Continue sur le truc là. Je vais y avoir pété le champagne. Continue sur le truc là. J'ai senti de la sensibilité, tu vois. Il y a de la sensibilité. Il y a quand même quelqu'un qui a du respect. Alors, comme moi, on a échangé avant plusieurs fois, je ne t'ai pas senti grossier. Me dire, s'il te plaît, mets un peu une vidéo, je veux voir tes seins ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un truc qui est très important chez moi. Un homme qui sait se tenir, un homme qui respecte une femme. Parce que parfois, tu rencontres un homme au bout de 2 jours, rends-moi un peu, ah, mets un peu ta cam. Ah là là, ça, je déteste ça. C'est la vie de fou, tu n'as même pas idée. Un gars qui fait ça, même si je te kiffais, même si je me plaisais, je te bande direct. Parce que pour moi, non, ça sait se tenir. Ça se comporte en gentleman, comme on le dit souvent. Et du coup, toi, c'est un gentleman, même si peut-être on va dire, mais celle, elle est folle, mais elle ne connaît même pas de qui elle parle. Moi, en fait, moi, c'est ce que moi, j'ai vu de toi. Et peut-être tu ne le ressors pas très souvent, tu le caches peut-être, c'est peut-être enfui. Ou alors tu le fais juste pour les personnes que peut-être tu ressens quelque chose. Mais tu as quelque chose, en fait, qui te caractérise et qui fait en sorte qu'il y a une connexion, il y a quelque chose, quoi. Tu vois, je ne veux pas m'étaler plus que ça. Pour être en profondeur, je vais pas faire un cours de psychologie ou de quoi que ce soit, je vais pas aller en profondeur, mais honnêtement, ce gars, il a un truc, mais juste que peut-être il ne voit même pas encore, tu le vois même pas, tu le sais. Chérie, pas. Le truc là, toi là, tu es ma femme, tu comprends, non? Tu es ma chérie,
la relation qui est en train de débuter là. Tu as compris? Aussi, qu'est-ce que je vais te dire? On a commencé à se parler, on s'est connus quelque part. On ne va jamais dire on s'est connus aux gens. On s'est connus en vrai, on s'est vus. Je t'ai dragué pendant longtemps, je t'ai courtisé pendant longtemps. Tu m'as barré pendant longtemps. On a discuté, tout ça, machin, truc et tout ça. Tu m'as plein. Pendant longtemps. Mais franchement, le truc que j'ai, je pense que tu as le même truc. Tu es une fille très bien. Tu es une très bonne personne. Tu es une belle âme. Les gens vont te regarder, vont regarder la beauté. Franchement, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. C'est pas ça que je regarde. Mais tu es une très belle personne. On se parle depuis. On essaie de se cotiser depuis, mais jamais il y a eu un manque de respect ni de ta part. Ouais, il y a toujours eu vraiment du feeling. Ça a toujours coulé en fait. Ça a toujours été fluide. Donc, je veux qu'on rattrape le temps perdu. Qu'on vive une belle histoire d'amour. Nous sommes parents. Tu as des enfants, j'en ai. Là, il y a mon fils qui dort là. Tout à l'heure, il mangeait, il m'entendait discuter. Donc, j'essaie très heureux. Très prochainement, je lui dis, écoute, ça, c'est la copine à papa. À mes enfants, je n'ai jamais présenté une femme. Je veux te chérir. Je veux te chérir. Je veux être là. Mais je veux aussi te laisser vivre ta vie. Parce qu'être en couple, ce n'est pas emprisonner. Je suis contre ça, moi. On n'est pas en couple avec quelqu'un pour emprisonner la personne. Tu as le droit de... Je ne contrôle pas une femme. La femme est même libre. Voilà, donc je veux une relation, pas une relation où on emprisonne l'autre. Tu vois un peu, une relation dans laquelle tu connais, on discute souvent. Il veut juste être là pour toi. Que lorsque tu as les problèmes que tu comptes sur moi, des soucis, les problèmes d'argent aussi. Parce que quand tu as une femme aussi, il faut se lui donner un peu d'argent, tu vois, tout ça. Hein? Voilà. Non, mais toi aussi, tu mets choco, hein. Toi aussi, tu mets choco, hein. Toi aussi, quand c'est mauvais, tu mets choco. Le choco est réciproque. Tu comprends un peu, non? Le choco de la femme, c'est quand le gars est en difficulté. Là, oui, tu l'aides. Mais si le gars, tout va bien, c'est lui qui prend soin de toi. Mais si il a des difficultés, bah oui, là... Ma chérie, ton gars est en train de construire, ton gars est en train de déposer un R plus 2 au pays, là. Ton gars est dans les choses. Ton gars, c'est pas un flemmard. C'est un bousser, tu connais. Ton gars, c'est garçon, tu vois un peu, non? Voilà, c'est garçon. Non, c'est bien.